4 à 5 fois par soir, c'est le show de Juliette, Eri et Léa, les trois serveuses du bar. On travaille là d'abord pour gagner notre vie. Et en plus de ça, on danse ça pour la forme. Ça fait plaisir de danser, quoi. Pour gagner votre vie, ça veut dire quoi? Vous gagnez combien, par semaine, on a 15 000 francs. 150 francs français. Ouais. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner sa vie? Il y a d'autres moyens, mais c'est le seul moyen que nous avons pour l'instant. Sinon, si on gagne d'autres moyens de gagner, on ira. C'est-à-dire, vous ne faites pas ça totalement par plaisir? C'est le travail, on est obligé. Il fait plaisir aux clients, danser pour la forme. Donc on est assis et puis on entend la musique de Mapuka, on s'inspire, on a envie de danser. Vous, vous êtes père de famille? Oh, je suis une mère célibataire. Donc il faut faire bouillir la marmite, comme on dit, c'est ça? Oui. Oui. Mapuka originaire. Annie Guissaf, le docteur Pité recrute et forme une nouvelle génération de chanteurs, danseurs, musiciens de Mapuka pour perpétuer la tradition et la culture lagunaire ivoirienne. Les trois tueuses prennent des cours de chant et envisagent toutes une longue carrière dans le show business. Le Mapuka aura été pour certains une raison de vivre, pour d'autres, un moyen de survivre. Mais pour tous, un tremplin et la nouvelle preuve donnée du dynamisme, de l'inspiration de la culture africaine.